Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Jour 1 million dans le confinement, dans le confort chacun de nos maisons. J'espère que vous prenez le temps pour ralentir et aussi revoir vos priorités. Du moins, nous c'est ce qu'on fait, on prend du temps pour nous. On pense à vous évidemment, puis on a bien hâte de vous retrouver. C'est en ralentissant qu'on se rend compte que les 5 dernières années ont passé extrêmement vite pour la Fleur des Vies. Une agence qu'on a su créer avec une équipe formidable en Estrie. En quelques années seulement, on a créé une des plus grandes agences indépendantes au Québec et on en est particulièrement fiers. On est des gens de Sherbrooke, on est des gens d'ici, puis pour nous c'est super important d'encourager l'économie locale. Oui, je magasine amplement dans nos boutiques locales qui font un service extraordinaire, qui offre plutôt un service extraordinaire en passant. Mais je vous dirais que pour tous nos partenaires qui font de l'agence, qui font que l'agence a ce succès-là, comme notre équipe web marketing 724, qui est natif ici de Sherbrooke de l'Estrie, la magnifique boutique As qui m'encourage quand on a des références d'acheteurs, de vendeurs, ça me fait plaisir de remettre un certificat cadeau. Aussi notre compagnie Lettrage Fournier qui nous accompagne dans l'impression de nos nombreuses enseignes et avec l'installation. Bref, je pourrais continuer à en nommer comme ça, mais je pense que le but là-dedans, c'est de se conscientiser sur le fait que notre succès, bien, on le doit à l'économie de chez nous. J'espère que de votre côté, vous faites la même chose. Puis bien, on a extrêmement hâte de vous retrouver, puis on est extrêmement fiers aussi d'avoir la chance de créer une entreprise québécoise. Mais sur ce, bien, je vous souhaite une bonne fin de confinement parce que oui, la fin approche, tout le monde, on reste positif. Et puis, on a bien hâte de vous retrouver, mais je vais vous dire la phrase qui est sur toutes les lèvres au Québec, ça va bien aller. Alors, bonne semaine, à bientôt!